Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.1.1 dans lequel nous allons faire la quête qui semble-t-il est la quête finale, l'ouverture de l'arche. J'ai quelque chose à te dire mon cher et quelque chose à te montrer, il est temps pour moi de te demander plus que tu n'as jamais fait avant. Je crois que tu es prêt pour cette tâche, n'est-ce pas? Et donc l'objectif c'est d'aller dans l'arche et de détruire la ruine. Nous allons donc pour ce faire, je ne sais pas si je dois prendre ici. Je me suis trompé de mission, revisite. Non, donc c'était pas là, donc il faut aller directement à l'arche. C'est parti. The Ark. C'est parti. Bon, la dernière quête potentiellement du jeu, de l'histoire en tout cas du jeu. Je me suis équipé pour, hein, vous savez, j'ai une épée, une arbalète, un lance-roquette. Enfin, j'ai deux épées, une arbalète, un lance-roquette. On viendra les voir en temps et en heure, ceux-là. Vous voyez que l'arche est ouverte, effectivement. Nous sommes prêts à aller. C'est parti! La ruine! On y va! Alors, si le boss dure 10 secondes, par contre, ça va être la dèche, hein. Je veux pas dire. Oh! Oh, ça, c'était pas prévu. Nous sommes... Wow, on se calme. Ah la vache, il m'envoie dans le poison. Ouh, ça va être dur. On va se soigner. Pendant qu'on se soigne, je vais vous lire rapidement le truc. Les rapports indiquent que tu es sur une structure qui apparemment est une planète, mais en fait c'est un organisme géant vivant. D'accord. Ne évite de tomber dans le trou, Marcus, ça serait cool. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Drôle de bestiole quand même, hein, je veux pas dire, mais... Boum. Boum. La vie là-dedans, ouais. Et donc, je suis censé faire quoi? Je dois rester sur la surface ou... Alors, est-ce que c'est un liquide particulier? Wow! Est-ce que c'est un liquide particulier? Du poison, tout simplement, d'accord. Et au niveau de ces cubes... Tentacle cluster, d'accord. Je ne suis pas empoisonné là où je suis actuellement. Du coup on va en profiter, mais là c'est bon, je suis empoisonné. Hop, alors l'objectif c'est qu'on va aller se rendre là, on va vider petit à petit. Ah la vache. Ils font pas trop de dégâts mais ils sont juste chiants, parce qu'ils sont constamment en train de te pousser dedans. Hop. Voyez. Hop. Qu'est-ce que c'est que tous ces machins? C'est des clusters? Bah dis donc. Donc apparemment faut pas trop que je reste sur place, hein. Oh monsieur couille. Oh la vache. Et je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Monsieur couille, cassez-vous. Ouais, je m'en doutais monsieur couille. Alors ça c'est pas la bonne arme. Ok, donc ils font tous très mal. En plus c'est incroyablement chiant. Ok, je m'attendais pas à une planète à vrai dire, je m'attends par contre à devoir aller au centre pour péter une forme d'œil, vous voyez, comme il y a partout un petit peu là. Hop. Ah là là. Hop. Hop. Ils sont nombreux. Boum. Ajouter. Ah. Je sens que ça va être chiant. Ah, j'ai oublié que j'avais un autre saut. Ah, m'avait dit de faire le grappin, mais j'aurais dû vous écouter. Hein. Hop, raté. Hop. Ah, mais merde. Mais laissez-moi tranquille! J'ai dit laissez-moi! Hop! Bon. Je pense maintenant être persuadé qu'il faut que j'aille dans les grottes. C'est des spectres! Bonne nouvelle! Enfin, c'est l'équivalent, ce que moi j'appellerais des spectres. Raté. Ah!
Hop. Hop, ok, on y va, c'est pas grave. Hop, la slime apparemment tombe d'elle-même. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. Hop. Un petit peu de soin. Ah, mais merde, lâchez-moi la grappe. Hop. Parfait, on y va. Hop. Lâchez-moi. D'accord, ces bestioles-là qui créent les mouches. Capiche. Allez. On y va, on y va, on y va, on y va. À mon avis, on va plus en chier que prévu, hein, mais bon, c'est que mon avis. Hop. Non, ça a l'air de faire mal, mon arbalète. Hop, les. On va plutôt y aller avec le pouvoir de l'ombre. Ouh là là. On voit pas du tout où on va. J'ai touché. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça? Ça fait pas de dégâts. Ça les repousse. La merde. Hop. Ok, bon. Hop. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Ha! Sac à mouche! Boum! Hop! Hop! Heureusement qu'on a un bâton de soin. Honnêtement, on gaspille beaucoup moins de... Oh! Oh, ce combo! Hop! Oh, ça c'est classe. Oh, ça c'est tellement la classe. Ça pue tellement du cul par contre! Là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été fiers de moi l'espace d'un instant. Hop! Je dis bien seulement l'espace d'un instant. On est passé à de la brique, non? Non, même pas. J'avais une impression de brique. Allez, viens, Simone! Viens! Boum! Boum! Voilà comment ça se passe chez moi! On va passer par là après tout. Pourquoi pas? D'accord. Apparemment, il y a de gigantesques trous et autres. Vides abyssaux en dessous de moi. Il me suggère de ne pas chuter. Ah oui. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? C'est la fin de la planète ou c'est... Parce qu'il y a encore des monstres, du coup, j'ai pas envie d'y mourir. Putain de merde, j'ai joué au con. T'es sérieux là? T'es sérieux? Il y avait un truc en dessous? Ah, je suis vexé. Là, honnêtement, chers amis, je suis vexé. Il y avait un truc en dessous et en fait, le jeu m'a dit non. Je croyais que non, moi, à la base. Il y avait un truc en dessous. Bon, bah. Est-ce que j'ai le truc de Mary Poppins? Non, je crois pas. Comment je vais faire pour ralentir ma chute? Comment je vais. Le grappin, vous aviez raison. Vous aviez raison, chers amis, j'aurais dû faire le grappin depuis longtemps. Sur la table de chasse, par contre. Vous me parlez de choses. Ce serait ça. Alors, je l'ai pas amélioré parce que j'ai pas pris ce qu'il faut. Copper wire, batterie, silicone et Durasteel bar. Bon. Durasteel bar, est-ce que j'en ai encore, cela dit? Oui, j'en ai encore. Le copper wire, je vais pas me faire d'illusion. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Silicone board. Est-ce que 5 vont être suffisants?
Oui, silicone board et batterie. Silicone board, il va me falloir du sable que je n'ai plus et des batteries, il va me falloir plus de copper wire. Hop, un petit peu d'or, il va falloir que je trouve du sable dans tous mes blocs. Un petit peu d'or. Est-ce que j'aurai du sable quelque part? Moon dust. Ça, je suis persuadé d'en avoir en grande quantité, il n'y a pas de souci. Mais je crois que j'ai transformé tout mon sable en verre récemment. Oh putain, vous avez du bol. Vous avez du bol! Je crois que c'est cette quantité-là qu'il fallait. Et ici, il me faut une batterie. Hop. Parfait. Alors, ça se transforme en une grosse truc bizarre. Pourquoi pas? Sprinkler, ah génial! Génial, génial. Et donc, relocateur, oui, donc ça je sais ce que c'est. Cave détecteur, wow, il y a plein de trucs géniaux en fait! Comment passer à côté de plein de choses? Il va me falloir du dur à steel en quantité. Une corde, un diamant. Le dur à steel, je me rappelle plus comment qu'on en fait. Le Durastil, je me rappelle plus comment qu'on en fait dans celui-là. Durastil. Il va me falloir du Durastil. Oui, bah. Est-ce que seulement je vais en avoir? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas non plus. Là non plus. Là non plus. Oui, là ça pue, chers amis. Je l'ai dans le cul très profond. Je vais peut-être essayer un truc, on va bien voir. Il m'en faut deux, faut donc que j'en achète 40. Enfin 20, 20, 20, 20. On va aller voir si nos amis les Ursa en ont. Foufou, le triple saut qui me... Oui, t'as raison de baisser les yeux quand tu me vois arriver. Ah bah cool, je peux acheter. Oh la vache! Eh, ça coûte la peau du cul, bonhomme, là! Eh bah va te faire foutre, je vais plutôt aller les chercher. Je préfère encore aller les chercher, chers amis. What? What, le grappin? Le grappin qui fout sa merde! J'ai quand même vérifié les autres trucs, mais. Sans trop de conviction, honnêtement. Non, je pense pas que j'en ai. Je crois que je m'étais fait la réflexion que ça allait être chiant à trouver en plus. Ok, bon, on n'a plus qu'à trouver une planète avec du durastil pas loin. Ah, je m'attendais pas à ça. Hein. Ça commence bien. Radioactive. Il y en a apparemment. Eh ben, on y va. Bon, bah, je m'attendais pas du tout à ça, chers amis. Le diamant, je vais l'avoir. La corde, est-ce que je vais l'avoir, cela dit? Oh, je pense que oui. Je devrais pouvoir en trouver quelque part, non? Le jeu va me la faire à l'envers sur cette corde. Nananer. Vous allez voir que j'ai trouvé du rastil facilement, mais pas la corde. Pire, j'irai l'acheter, je crois qu'on peut en acheter. Quoique, je crois en avoir mis là-dedans, dans ce tas-là. Ici. Non. Là. Non. Là. Oui. Parfait. Allez, on va acheter un petit peu de durastil, on va s'améliorer un petit peu, parce que là on n'était pas bon là. Hein. J'espère qu'il va pas falloir qu'on recreuse tout, parce que dans ce cas-là je fais ligne droite dès le départ. Hein. Allez, pose-toi. Ou alors j'y vais pas, mais cet épisode s'appellera Vous n'êtes pas prêt! Comme dans World of Warcraft. Comme Illidan. Bon, allons-y. Mais me suivez pas! Ah putain, ils me font mal quand même. Je pensais qu'ils allaient pas me faire si mal que ça, mais. Hop là! Durastil! Du Durastil. Hop. Hop.
toute façon, il va falloir qu'on s'occupe de tout ça aussi, tous les autres trucs qu'on a pu négliger durant le... Mais cassez-vous! Non, c'est pas du Durastil, ça. Hop! Il va nous en falloir à peu près une vingtaine, hein. Hop! Oh! Il va mourir, s'il te plaît! Hop! Oh! Salaud! Boum! Ta vie est finie! Hop! Nous sommes à combien? 19. Il m'en faut encore un. C'est toujours le dernier qui est le plus dur à trouver. Eh ben non! Ah, je m'en vais, je reviens. Boum! Voilà, chaque fois vous faites avoir, les mecs. Je veux pas dire. Ah! Voilà! Bon. Plus qu'à remonter. Hop! Oh! Hop! Toujours pas? Ah! Oh. Ok. Évite de me faire des lags au moment où je suis. Voilà. Hop. Le plus en danger. Bon. Ça c'est fait. Normalement. Crac. Bon. Qu'est-ce qui manque? Les diamants. Enfin le diamant je crois de mémoire hein. C'est un seul diamant qu'il faut. Ok. Ah, elle est jolie la petite zone de... J'aime bien. Apparemment il me manque plus de choses encore. Copper wire et 4 AA batteries. Les AA batteries, je les ai de mémoire. Apparemment, elles ne sont pas là, donc elles sont peut-être là. Non, alors c'est celui du dessus. Voilà, les AA batteries, je les ai. Et les copper wire, je peux les faire sans le moindre souci. Hop. Ici. Et nous avons le grappin. Ça n'aura pas été simple, hein. Tout ce qui est le genpack et tout ça. Oh, détecteur, faudra qu'on les fasse, ne vous inquiétez pas, on le fera, chers amis. Hein. On le fera. Je repose tout simplement mon bordel d'abord. Hop. Hop et hop. Ok, nous avons donc le grappin. Enfin, on va le placer ici. Comme ça, je peux l'avoir en 4. Il marche toujours de la même manière. Oui. Parfait. Pain, 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 pain. Non, on va aller se faire la ruine ensemble, chers amis. Je me suis trompé de truc. On va aller se faire le boss maintenant, je pense. Même si ça aurait pu être, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est à l'arche qu'il faut que j'aille. Hop. Sauf cas extrême où il y a 30 000 choses entre le boss et moi. On devrait pouvoir se faire le boss en ce moment. Enfin, à la fin de cette vidéo. Je pense. Je ne garantis rien, je précise. Bouffe. Oui, la ruine. C'est parti. Allons-y. Ligne droite vers le bas. Ah, peut-être pas maintenant, en fait. Ah, vous me faites chier à m'agresser. Ah, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Hop, parfait, là il y a un trou. Un sac à mouche. Boum, problème résolu. Ah, il y avait du poison. C'est pas comme s'il y en avait partout, Marcus. Mais cassez-vous. Cassez-vous de mon chemin. Hop. Oh, ça c'est dur à casser. Oula. Salut les filles. Hop. Oh les filles, oh les filles. Je les trouve, marteau. Boum. Qu'est-ce qu'il y a par là? La chute est dure. Meurs. Voilà. Hop.
soin. Hop. Ok. On est bon. La suite. Danger par là, non? Il y en avait combien dans le tas, là? Hop. Ok, c'est bon. Ça avait quoi faire. Hop. Ils sont sympas, ils me rappellent des boss de vieux jeux de Sega à l'époque. Oh là là. C'est pas agressif. D'accord. Pourquoi pas. Ah là, on y est, je pense. Ça en fait du mob, hein. Ok, parfait, on y va. Hop. Raté. Allez. Hop, c'est bon. Crac. Notre qui arrive là-bas. Non, c'est bon, elle s'en va. Ok. T'es sérieux là? Oh, j'ai réussi à survivre. Mais je suis con, j'avais le double, j'avais le saut. Quel abruti. C'est du cerveau. Ah! Ah! Ah, c'est un minimum protégé. Hop! Eh ouais, je suis trop balèze maintenant. Dit-il après avoir loupé sa, son tir. Hop, bah viens Simone. Ah, raté. Ah non, j'ai touché quelque chose apparemment. J'ai entendu le petit... Hop! Hop! Boum! Ok. Je dois avoir 2-3 flares en plus sur moi, ce qui est assez cool. Vu que je peux faire ça. Eh ben, il y a profond. Hein. Y a carrément profond. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Une porte de donjon! Tu as rejoint le cœur de la ruine, tu dois le détruire. D'accord. Pas de soucis. Je suis équipé pour. C'est parti. Qu'est-ce que... What? Tu es ici. Tu es ridiculement tenace, n'est-ce pas? Esther pense vraiment que tu vas réussir à te transformer à ta tête. Mais j'ai pas trop compris la suite. Oh la vache, il fait tellement mal. What? Tiens, touché ou pas? Oh la vache! C'est bouclier qu'il faut pour ça, chers amis. Alors, tu l'as senti passer celle-là? Aïe. Ah la vache. Ok, le sprint passe. Meurs. Regardez le sprint. Le sprint qui le guac. La vache. Tiens, ressens la puissance de mon épée. Tu n'as toujours pas gagné, tu ne comprends pas, tu n'as toujours pas gagné. La ruine est déjà réveillée. Et toujours réveillée. Elle va bientôt détruire tout. Tout sauf les humains, d'accord. Ah bah c'est cool alors. Oula. Ah. Ça fait mal ça ou pas? Oula. Plus qu'à me regarder mais... Quand vous n'avez pas l'impression de faire des dégâts, c'est parce que vous n'en faites pas. Ouh. Ah. Bah. Allez! Tu la sens ma grosse ruine? Ah! Ah! Oh, elle fait mal! Elle fait tellement mal! Tentons quelque chose. Ce que je voulais faire, c'était en lancer une en plein. Oh la vache!
Cassez-vous! Cassez-vous! Putain, ce que je voulais faire, c'est... Tiens, bouffe! Ah, oh, ça lui fait pratiquement pas de dégâts. C'est fou. Aïe. Allez, Marcus. Allez, Marcus! Rocket! 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 Plus de batterie. Merde! Putain, elle est balèze. Ressens le pouvoir du poison! Hop. Qu'est-ce que... Arrière! Créature! Oh la vache! Ça, je l'ai pas vu venir. Hors de portée. Ah! Aïe! Hop! Oh là là, j'ai l'impression que je vais rien lui faire comme dégâts. C'est fou! Ah, elle va sortir ses gros trucs! Allez, c'est, je commence à comprendre comment elle fonctionne. Est-ce que mon poison lui fait vraiment des dégâts ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle va changer le biome, non, quand ça touche le sol? D'accord, je sais quel monstre elle appelle en fonction du biome qui apparaît. Je commence à comprendre. Ah! Boum! Tu ne me seras... En aucun cas, le dernier des monstres que je buterai! Boum! J'ai des couilles, madame! Boum! Rocket! 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 Non, j'ai pas eu le temps. Dommage. Ressens la puissance de mon épée! Boum! Un biome de glace? Ah! Ils sont solides. Ah! Je suis blessé! Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais... Elle continue d'appeler d'autres monstres! Mange! Ce boss est épique! Il a son propre biome, son propre univers, et en plus il arrive quand même à vous pomper. Hop! Je sais. Hop! Quoi? Ma santé! Ah la vache! Qu'est-ce qui est arrivé à ma barre de vie? Qu'est-ce qui est arrivé à ma barre de vie? Qu'est-ce qui est... Ah! Ah! Non. Tu ne mourras pas. Ah, salaud. Pas vous! Hop! Meurs! 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 Putain, j'ai plus de piles. Ah! Non! Tu ne mourras pas! Faut de la. Ah! Ah, de la santé! T'as de la chance? Que je t'ai pas encore buté! Putain! Elle est tenace! Dégage! 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 Je rêve de plus en plus de monstres qui a fait pop. Ah! Ressens le pouvoir de mon épée! Ah! Ah, elle est puissante! Cette bestiole est puissante! Ah! Marcus, sors! Parfait. Ah! Je les ai pas vus venir. Je les ai entendus, mais je les ai pas vus.
Allez Marcus, défends-toi. Tu peux le faire. Allez. Ouf. Merde, je me suis... Ah. Parfait. Mange. Allez. Non. Access denied. Allez. Ah. Ah salaud. Ah. Allez-y avec une SMG, chers amis. Croyez-moi. Casse-toi. Ah, je me suis fait toucher. Allez, meurs. Mange. L'arbalète. Je préfère encore les faire péter sur ma poire. Ah. Saloperie. Hop. Hop. Meurs. Ils arrivent plus vite, faut gérer les priorités. Hop. Ah. Trop nombreuses. Ah, casse-toi. Oh. Ressens la puissance de mon arbalète. Raté. Du soin. Ah. Raté. Aïe. Ah, hors de portée. Hop les. Hop. Hop. Oh là, il est au taquet le bonhomme. Alors, tu sens ta faim arriver? Merde. Hop. Tu la sens ta faim arriver? Crac. Ah. T'es comme la pièce de théâtre Harry Potter. T'es mauvais. Ah. Ah. Tu ne mourras pas. Quoi? Ah. Hop. Ah. Pas passé loin. Je suis sûr que ça me tue d'un seul coup. Je suis persuadé que ça me tue d'un seul coup. Est-ce que je peux me baisser? Ça marche pas. Je voulais tester. Soin. Bam. Juste en dessous de ta gueule, du soin. Tiens, bouffe. Merde. Ah non, mais il y aura des trucs de poison partout. Salaud. C'était le pire monstre que tu pouvais me faire popper. Hop. Non. Non. Oh. C'était le pire monstre que je voulais voir. Meurs. Vous vous rendez compte que je vais leur gaspiller une barre de bouffe entière. Meurs. Oui. Oh putain. Ça pue? Comment ça sort? Oh là.
Fallait que je me téléporte ? Oups. Ah, ça fait bien un petit cœur au fond en fait. C'est pas possible ! Non ? Seriously, guys ? Ah, voilà. C'est moi. Protecteur. Ne suis pas la myriade, la myriade simplement d'âmes qui sont venues avant toi. Donc en fait les précédentes personnes qui ont été tuées par la ruine. Même si j'ai succombé aux ruines, à la ruine, enfin ouais on va dire plutôt à la ruine. Quand nous avons combattu, je me suis éparpillé, j'ai été éparpillé partout dans l'univers infini. Tu as pu retrouver des fragments de moi. Ancien et sauvage. Quelque chose qui est devenu donc quelque chose de nouveau. Quelque chose de moi est resté dans ces choses que j'ai laissé derrière moi. Donc à mon avis c'est l'espèce de protecteur qu'on a vu avant. Il est resté dans les artefacts. Tu as réuni mes artefacts protecteurs. Les six races à qui j'ai fait des dons pour qu'elles puissent se réunir en une seule. Tu as planté une graine de paix. Qui va grandir et grandir pour se développer dans tout l'univers. La ruine est détruite, l'univers est sauf, mais il y a encore beaucoup à faire. Et maintenant, pour toi, je donne mon dernier don, le dernier bout de moi-même. Retourne, repars protecteur, vis encore. Parce que je suis pas encore mort dans le... Voilà. Ah la tronche qu'ils ont tous fait quand ils m'ont vu revenir. Eh ben voilà. Ah putain, ça fait tellement longtemps qu'on joue à ce jeu, chers amis. On y joue depuis le tout début. Ça fait plaisir. Ça fait incroyablement plaisir. Bon. Hop. Voilà, un nom d'épisode adéquat. Ah, eh ben dis donc, ça n'est pas assez des choses. Le grand bonhomme avec les tout petits, c'est sympa. Oh, je pense pas qu'on me voit dedans, de toute façon j'ai donné mon prénom et mon nom, donc je ne dirai pas si on me voit. N'empêche que c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh ben dis donc, tellement d'heures de jeu sur ce superbe jeu indé. Et ça va continuer, chers amis, ne vous inquiétez pas, il va y avoir la série modée, il va y avoir plein de constructions sur la version classique. Ah, ils ont fini par être ensemble, rigolo. Je l'aurais pas vu venir celui-là. Oh, on est tous réunis. Ah, puis en plus je suis en costume avec mon costume coloré, c'est génial. Ah, c'est excellent, j'adore. J'adore ce jeu. Ce jeu est génial. Ah. Bon, on va aller rendre la quéquette. Se soigner. Manger. Voilà. Eh ben. Alors, un cadeau spécial, le protecteur. Même après tout, je suis sûr que tu as encore plein de choses, plein d'aventures à vivre. Au moins, prends ceci, mon cher. Hop, qu'est-ce que c'était qui était dedans? À la photo. Thank you, card. 25 000 pixels, d'accord. Je suis sûr que c'est la photo, c'est ça? Non, même pas. Un message de tout le monde, ah génial. Oh, puis il y a même un message Nourou, donc ce gros œil machin était trop gros. Quelle chasse. Donc Nourou, c'est la Florane, hein, je précise. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a une espèce de fleur. Tu dois juste être le second meilleur chasseur que je connaisse. Cluex serait fier de toi. Donc ça, c'est forcément, on peut voir l'oiseau. Donc c'est la Viane, donc de Tonowak. De la part du glitch,
un bon show bien sanglant. Baron 4C, 69, 67, 68, 74. De la part de Lana Lepex, tu m'as dit qu'il y aura toujours de l'espoir, merci. Koichi, donc, qui lui est notre... ilote, là. L'importance scientifique de ce que tu as accompli est impossible à mesurer. D'Esther, donc Esther, elle, c'est l'humaine. Non, Esther. Si, Esther, c'est l'humaine. Tu as le cœur d'un protecteur. Merci d'avoir sauvé l'univers. On espère que tu auras... apprécié d'avoir joué à Starbound autant que nous avons apprécié de le faire. L'univers est encore grand et t'attend pour être exploré, etc. Voyage en toute quiétude. Starfish. Jugglefish, pardon. Starfish, c'est un type de poisson, ça, en anglais. Ok, bon. Eh ben dis donc, ça fait bizarre, chers amis, ça fait bizarre d'arriver à la fin d'un jeu qu'on a soutenu depuis je sais pas combien de temps. Ça fait bizarre. Donc merci de m'avoir suivi dans cette aventure, chers amis. On va continuer sur cette partie-là. Puis une fois qu'on aura atteint cette limite sur celle-ci, on fera une partie modée. Voilà. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures dans Starbound. Salut.